de toute éternité. Éternel et sans nom, nous prosternons devant sa majesté. Nous sommes là. Alors, on va démarrer là. La Bible dit que là où deux sont, les vainqueurs, on avait dit au Seigneur. Donc, nous allons prier pour lui remettre ce moment. En attendant que nos bien-aimés arrivent, ils vont nous trouver. On a démarré avec le Seigneur. Donc, Amen. Pour prier. Pour remettre ce moment-là. Nous allons nous incliner, mes bien-aimés, Jésus-Christ est Seigneur. Il nous amène à la prière, moi ou bien une autre personne. Je peux commencer. Oh yes, inclinons-nous. Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Ce n'est pas par notre propre volonté ni notre propre force que nous sommes là, mais c'est parce que tu nous y as invités, Papa. Nous voulons te dire merci, merci pour cette journée, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Nous élevons ton nom ce soir, nous te disons prends toute la place parce que nous ne sommes rien, mais toi tu es tout. Nous voulons nous incliner encore devant toi, te donner toute notre reconnaissance, Seigneur mon Dieu, et élever ton grand nom, ton saint nom, parce que tu es glorieux, Père. Prends le contrôle de cette soirée, prends la direction par ton Esprit Saint, et conduis-nous, Seigneur, que nous soyons toutes les femmes présentes ici, que nous soyons soumises à ton autorité, à ta volonté, Seigneur, que nous fassions ta volonté pour te plaire, Père. Conduis-nous, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur. Sois avec nous, Papa. Révèle-nous encore les choses cachées, Seigneur, afin que nous soyons totalement dépouillés, Père. Que nous te soyons agréables, Seigneur. Sois loué, sois exalté, sois élevé, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Parce que toi seul es digne d'adoration. Toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne d'être adoré. Parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Ta bonté dans notre vie se renouvelle chaque jour, Seigneur. Oh, quelle grâce tu nous fais à chaque instant, à chaque moment, Seigneur. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi parce que tu es le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu de justice et de compassion. Seigneur, s'il fallait revenir à nos péchés, nous ne serions pas là, Seigneur. Mais par ta bonté, Seigneur mon Dieu, ta grande bonté, Seigneur mon Dieu, tu nous as pardonné, tu nous as lavé, tu nous as purifié, tu continues encore à le faire, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de nous conduire, Seigneur. Tu connais le cœur de tout un chacun ici présent, Seigneur. Tu connais le désir de nos cœurs, Papa. C'est d'être à tes côtés chaque jour, à chaque instant, Seigneur. Tu es notre priorité, Seigneur, mon Dieu. Tu es notre premier amour, Seigneur. Ne t'éloigne jamais de nous, Seigneur. Tu as dit que tu seras toujours avec nous. Donne-nous d'être fidèles comme toi, tu l'es avec nous, Papa. Si nous nous égarons, ramène-nous sur la voie droite, Seigneur, mon Dieu, et resserrez, Père. Nous avons besoin de toi chaque jour, Seigneur.
Fais encore tomber les écailles de nos yeux. Conduis-nous, Seigneur. Fais grandir notre amour pour toi encore chaque jour dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Purifie-nous encore, lave-nous encore, Seigneur, afin que nous te soyons véritablement agréables, Père. Oh, merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, de tout ce que tu vas faire encore ce soir avec, parmi nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Oh, woo! Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Oh, nous prosternons. Nous prosternons. Nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer et nous levons nos mains et nos cœurs. Alléluia, nous t'adorons. Le salut et la gloire, ainsi que la puissance. La recherche de la femme vertueuse, cette femme dont le Seigneur prise à tout moment et attend dans le palais de sa gloire à la venue, à sa seconde venue pour chercher son épouse, sans tache ni ride, est l'objet de la femme dans la sainteté ce soir encore pour peaufiner la sanctification et la sainteté de la femme dans tous ses aspects. Dans celle qui fait l'objet de l'affection du Seigneur Roi, le Messie Roi des armées, la femme épouse du Seigneur Jésus-Christ est celle par excellence qui est censée saler l'humanité. Parce que sa grand-mère Ève avait fait tomber cette même humanité dans des sales draps. Le Seigneur Jésus-Christ passera par elle pour racheter l'humanité et lui octroiera désormais une autre mission risquée et à haut risque, mais tant confiant par rapport au Seigneur. Celle de la rédemption de l'humanité, en lui disant dans le livre de Genèse au chapitre 3 verset 15 que la postérité naîtra d'une femme. Cette semence de la femme donc est censée conquérir et détruire la tête du serpent. Cette semence de la femme étant venue par Marie, leur grande sœur, est profinée au fur et à mesure dans l'humanité et en versant l'objet de la sanctification au travers des femmes. La femme épouse du Seigneur est donc celle qui doit saler, montrer l'exemple. C'est pour cela que la femme est appelée à être vertueuse dans les saintes écritures. Cette femme qui est parée de grosses belles œuvres, comme le fit le cas de Tabitha, cette femme qui est vêtue de pourpre, celle-là également qui est vêtue de fin lin blanc et catan puits, comme présentée comme la femme épouse du Seigneur Jésus-Christ, celle qui est le modèle par excellence même de la vie chrétienne. C'est pour cela que les sœurs sont réunies ce soir pour parler d'elle encore, cette femme de la sanctification de la femme. Et nous commençons dans un instant. Thank you.
Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous les bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes tes portes, toutes portes des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reins, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elle la loue. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière? C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leur réunion, après les noces et les visitations du jardin, pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, par ces mots colombe, parfaite, préférée comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, tels sont les qualificatifs de celles sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Éphésiens au chapitre 5, verset 28 et suivant, afin de lui présenter cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irrépréhensible, sans tache ni ride. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la sanctification. Ceci demande une préparation pendant une période bien déterminée, comme les Perses du temps d'Antaxerxès avec Esther, dans Esther au chapitre 2, verset 12. 12 mois pour prendre soin d'une reine Esther, afin qu'elle soit présentée au roi le moment venu, quand elle est appelée à apparaître devant son roi époux. Ce travail de préparation devrait être effectué avec diligence, délicatesse et minutie. La femme terrestre, que dis-je, la femme chrétienne, est par excellence même la garante de la représentation de l'épouse du Messie Sauveur, ou même, ou mieux, le type de l'épouse. Conséquence, tous les domaines de sa vie devraient refléter ce dont le Seigneur, dans son palais, attend de la reine qui va remplacer Vasti, qui a perdu la faveur du roi. Vous donc qui m'écoutez, êtes-vous au courant des enjeux de votre vie? Saviez-vous que vos seules vies sont des messages de prophétie pour la future épouse du Seigneur? Voulez-vous rendre le pays habitable, ou plutôt le souiller? C'est à vous de voir. La femme dans la sainteté est cette plateforme qui vous permet de vous dépouiller afin d'être prête et de dire à la fin avec Paul, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de gloire, la couronne de justice m'est réservée. Si vous êtes prêts à en découdre une fois pour toutes avec ces objets sataniques encombrants, tant physiquement que spirituellement, un seul endroit, la femme dans la sainteté, sur Skype, vous me contactez en quelques lieux que vous écoutez cette voix, où vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localiser. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, ou bien vous envoyez un email, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bamba Iba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrai sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parure interne est cachée, cette pureté incorruptible qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux, qui est d'un grand prix devant Dieu, est l'objet même de ce forum, afin que toi, femme, tu sois conforme à cette réclamée dans Proverbes chapitre 31, verset 10. Plusieurs articulations dont vont faire montre dans cette forum, la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions des femmes, comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle, comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu, mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi, l'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour.
la relation avec les beaux-parents, aux fous et aux moulins, les jeunes filles et leur virginité, véritable défi dans un monde pervers et adultère, relation avec les collègues, avec les familles, ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement, la distraction et une marche chrétienne, une femme folle de Jésus, les jeunes filles ou les jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec des jeunes garçons qui désirent les draguer, les rapports sexuels que je ne dois plus faire, les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es, que faire, etc. Femmes violées, femmes qui ayant avorté, comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels meublerons ces échanges et puis nous aurons certainement des témoignages et vous allez témoigner des prières pour chacune de vous. Depuis votre foyer, votre travail, les maladies que vous rongent, les sujets de votre cœur en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêt à dire aux puissances des ténèbres, je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome. Au nom de Jésus, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mes soeurs. Ta méditation me parvenait jusqu'ici alors que j'étais en train de méditer également dans mes écrits ici. Tes pensées plongeaient jusqu'à arriver jusqu'ici à Douala. Et pendant qu'on y est, notre bien-aimée Monique a posté dans le forum la prière et moi j'étais dans la prière pour cette émélienne. Je crois que vous y avez également été engagé dans la prière pour elle. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour les prières dont vous donnez. Merci pour les prières que vous élevez, même en secret, pour les unes qui essaient d'appeler les autres de prier pour elles alors qu'elles ont des difficultés. Que Dieu vous bénisse. C'est exactement ce que le Saint-Esprit nous réclame dans les Saintes Écritures, de prier les uns pour les autres et de nous soutenir mutuellement. Puisse le Seigneur vous mettre cela à cœur de telle enseigne que chacun se soutient et se souvient de sa sœur ou bien de son frère qui est dans des difficultés, sachant que les mêmes choses sont imposées à nous les unes les autres. Et faites donc confiance à la prière faite par vos sœurs, par vos bien-aimés dans le monde entier, lorsqu'on s'unit pour prier, puisque le Seigneur a dit que si deux s'assemblent et sont d'accord, le ciel sera d'accord. Je reviens à toi, à la sœur Suzanne. Je disais donc que ta pensée, mais ta méditation me venait jusqu'ici, alors que j'étais en pleine méditation également. C'est sa voix. La sœur m'éveille de l'Italie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Comment tu vas? Depuis la dernière fois que nous avons parlé, on ne t'a pas posé des questions, n'est-ce pas? Je vais
Oui, quelle était la réaction? Quelle était la réaction de la personne qui est venue te prendre la dernière fois pour te qui est entrée pour dire ah ça va, qu'est-ce qui ne va pas? Non, après il m'a dit que qu'il se passe, tu faisais quoi par terre? Je lui ai dit ça va, il me dit parce que c'est un ami en fait, il a appelé ma soeur directement, et toi je disais ne pas appeler ma soeur, il a appelé ma soeur, je l'ai trouvé par terre et je l'ai vu depuis le bas là, comment elle est tombée et tout le reste, donc, parce que nous on a de grandes fenêtres en vitre là-bas chez nous et donc d'ailleurs on te voit au salon et tout ça, donc c'est quoi tu il a perturbé que dans sa main et tout le reste. Bon, ça se voyait chez ma soeur qu'elle était assez inquiète, même si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Bon, je lui ai essayé de la rassurer quand même. Tu as pu la dissuader? Non, en réalité je lui ai pas vraiment expliqué ce qui se passait, hein. Bon, je lui ai dit que je pense pas que ce soit le moment de lui expliquer, mais le temps viendra où je vais lui raconter. Tu l'as envoyé balader, alors on comprend bien. Tu l'as envoyé balader, n'est-ce pas? Diplomatiquement, tu l'as envoyé balader. Mon frère, si je peux parler. Oui, tu as de parler déjà, vas-y. Il y a deux jours, si je peux continuer, vu que j'ai dit la parole. Alors, il y a deux jours de cela, j'ai fait un songe et dans lequel. Ça, il paraissait qu'on habitait dans un même immeuble avec des bien-aimés. Je sais que tu étais là, il y avait ma soeur et la soeur Flore Karine du Canada avec d'autres bien-aimés. Bon, je reconnaissais les voix, mais je n'ai pas vu les visages. Ce que je sais, ce sont les visages que j'ai vus en fait. Et on s'est retrouvés chez une soeur parce qu'on habitait le même immeuble en fait. Ce soir-là, on se retrouvait donc chez une soeur pour partager la parole, en fait, comme on est là maintenant et tout. Et pendant ce temps, on était donc en train de chanter, et on chantait, et après la sœur Flore Karine a commencé à prier. Bon, elle priait, bon, toujours dans le sens où on a prié pendant la période de jeûne, en fait, dans le sens du Seigneur, que le Seigneur nous dépouille de tout ce qui en nous n'est pas de lui, et qui nous donne vraiment la force de faire sa volonté et tout. Elle est en train de prier. Et donc, pendant qu'elle priait, je me vois dans le songe avoir un vertige. À cet instant-là, tu sors, en fait. Tu sors d'abord de la salle. Et pendant qu'elle prie et tout le reste, je commence à avoir un vertige. Mais ma tête tournait. Pendant que ma tête tournait comme ça, tu entres. Tu es entré, tu es passé devant moi, je ne sais plus ce que tu as dit. Et j'étais en train de tomber, en fait, de façon très ralentie, pas brusquement. Je me sentais tomber de façon ralentie comme ça. Et je suis tombée, mais je ne suis pas arrivée au sol, en fait. Parce que dès que j'arrivais au sol, j'ai commencé à me lever comme ça. Donc, en fait, comme si mon corps était sorti de léger, ou bien comme si on me transportait. Donc, je pouvais planer comme ça. Et donc, là, quand j'étais en train de planer comme ça, moi, je chantais. En fait, je suis en train de chanter comme si j'étais dans l'adoration et tout. J'ai continué à planer comme ça jusqu'à. En fait, j'étais toujours dans l'air jusqu'à sortir de la maison. En fait, je suis sortie de la maison dans l'air. En fait, la poste qui me transportait. Et moi, j'étais en train de planer comme ça. Toujours dans l'esprit de l'adoration et dans la louange. Après, je me suis revue devant la porte de l'immeuble, j'étais en train d'entrer. Et toi, par la fenêtre, que tu me regardes, tu me dis, la sœur m'éveille, que tu t'envoles déjà, viens nous expliquer la sœur là ici. Tu as les ailes, ma sœur. Je faisais qu'on rende grâce au Seigneur. Et je monte là, j'entre dans. Quand je reviens dans la pièce où on était, il n'y avait que ma soeur là-bas. Et ma soeur m'a attrapée, elle m'a fait asseoir. Elle a commencé à me faire les tresses, elle a commencé à me coiffer. Parce que les cheveux là, elle a commencé à me coiffer. Et j'ai sursauté. Et quand je me rendors, je me vois plutôt en train de. Parce que la nuit avant de me coucher, j'avais mis les habits dans la machine à laver et j'ai laissé mes habits blancs parce que je préfère les laver à main. Et donc je me vois dans le songe encore en train de venir ouvrir mon placard pour prendre mes habits blancs et les laver. Mais je me rends compte qu'il y avait encore tellement d'habits à laver et tout. J'ai commencé à ramasser les habits. J'ai ramassé, ça ne finissait pas. Donc, j'ai que les habits. J'ai mis quoi dans la machine à laver finalement. Pour qu'il y ait encore autant d'habits à laver. Bon, c'est pas grave, je vais laver à main. Et donc, pendant que j'étais en train de ramasser les habits, là, quand j'ai fini d'entasser, je me suis réveillée. Bon, c'était un peu ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc la sœur Karine du Canada, elle peut-être ne sait pas que l'esprit de prophétie est sur elle.
et ce qu'elle va faire véritablement, ainsi que la sœur Claire là de l'Arabie Saoudite, mais de notre ordre. Mais pour toi, quand tu vas voir vraiment que ce sera facile pour toi d'entrer dans l'esprit au moment des louanges et dans des louanges personnelles principalement. Vous voyez qu'au fur et à mesure, le Seigneur va arranger des choses. De toute façon, que le Seigneur te bénisse. D'accord, ma chérie, on va y revenir. On va revenir avec ces choses-ci pendant les 3 prochains jeûnes que nous allons avoir, que nous allons travailler ensemble. Parce que 2019, c'est notre année de travail et de faveur, de grâce devant le Seigneur. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que la connexion est bonne. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Vous m'entendez bien. Donc la sœur Karine du Canada a l'esprit de prophétie sur elle. Elle sera utile pour l'église de la même façon que la sœur Claire là, mais d'un autre ordre. La sœur Laura, bonsoir et bienvenue. Mais la sœur Merveille, il y a quelque chose là, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Juste encore l'introduction maintenant, là, il ne faut pas qu'il dise ça aujourd'hui. Comment mon frère, je ne t'ai pas bien écouté. C'est mieux comme ça donc. En tout cas, permets-moi de saluer les autres sœurs. La sœur Laura de Bordeaux, bonsoir et bienvenue. Je crois que la connexion dérange. Je crois que bonsoir, ça frère Julien. Voilà. Niveau tard que jamais. Madame Kamagaté de Toulouse, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Julien. Ça va? Ça va, pour la grâce de Dieu. Tout va bien? Oui, c'est ça. On n'est pas personne ici, la seule. La sœur Claire Temkin, bonsoir. Oui. Bonsoir, mon bon ami. Ça va, toi? Oh, la gars, c'est bien. Il y a un jour désigné pour toi, d'accord? Un jour désigné pour toi. D'accord. Pour la fin des hostilités. La sœur Albertine Abogomba, bonsoir. Donc la sœur Merveille, il faut me rappeler qu'on parle de ces beaucoup des habits à laver là, à mettre dans cet appareil de nettoyage là, comment vous appelez? D'accord. Oui, il y a le bruit chez quelqu'un là, mais ça c'est le début là. Est-ce qu'on pourra travailler là ce soir? La sœur Alice Fonja, bonsoir, de Fulda, en Allemagne. Shalom, shalom, bonsoir à tous. Tout le monde va bien à la maison? Oui, ça va, par la grâce. Beaucoup de courage, d'accord? Amen. Bon, on pourra dire qu'on a donné les tétés au bébé, c'est pour ça qu'on ne met pas la vidéo. La sœur Alida Kofi, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, famille. Bonsoir, famille. Tu es des gardes avec les papiers et les mamies? Non, je suis dans le train. Je rentre en Italie. Ok. Il ne faut pas mettre les vidéos pour qu'on dise, quelqu'un dise que tu violes son image, que vous, les Africains, vous voulez aménager jaune en Italie. D'accord, ma soeur? Que le Seigneur te bénisse. D'accord, j'ai compris. Amen. Amen. La soeur amie avocat, bonsoir. La sœur Bénice, bonsoir. Bonsoir, frère Julien. Bonsoir à tout le monde. Comment tu vas depuis? Ça va déjà? Ça va un peu mieux, frère Julien. Que la grâce et la paix te soient multipliées, d'accord? Amen. Les pensées et les pressions par la pensée, ça s'améliore? Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées ces derniers temps. Le goût de vivre et le désir de vivre encore plus intensément, ça arrive encore sur toi. Quand ça arrive sur toi, tu vois quoi, effectivement, il va falloir que tu retrouves la jeunesse, d'accord? Et là, il va falloir que tu sois canalisé. Tu vas avoir le goût de vivre, d'accord? Amen, amen. Mais quand je parle comme ça, tu comprends, n'est-ce pas? Pas vraiment. Le goût de la vie. Souvenez-vous, lorsque je vous parle, si vous ne saisissez pas, vous dites que je parle autrement, d'accord? La soeur Bénice, tu m'entends?
Oui, je t'entends très bien, frère Junior. Tu vois, je suis le seul coq de cette course-ci, n'est-ce pas? Oui, oui. Je suis le représentant des hommes. D'accord? Mm-hmm. Maintenant, tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Frère Junior, je crois que j'ai encore bien apprendre ta langue. Et... Bon, permets-moi de continuer alors, le temps que tu essaies de me... Charlotte Mbachu, bonsoir et bienvenue. Merci. Mm-hmm. Frère Junior, bonsoir. On a déjà dit ça depuis. Donc la sœur Charlotte, bonsoir. Oui, parce que mon microphone était fermé. Donc tu dis bonsoir en différé, quoi. Bon, il y a la sœur Ami avocat qui ne m'a pas répondu. Il y a la sœur Bénice qui ne comprend pas mon langage. Elle veut que je parle en bamiléké. La sœur Charlotte Mbachu dit que je dérange. La sœur Laetitia qui me dit bonsoir. Pardon mon frère, mon micro était coupé. Bonsoir mon frère. Bonsoir la mère, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mes frères juniors. Bonsoir à toutes mes sœurs. Voilà, bonsoir la sœur Laetitia. Bonsoir à sœur Madeleine Chimène de Tel Aviv. Bonsoir frère junior, bonsoir à toutes mes sœurs. Au 97 boulevard Davout, Marie-France Sophie, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir frère Junior. Nafissa Lâché, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, bonsoir. On monte un peu du côté de Nantes où a joué Jafet Ndoram, le célèbre joueur de la République du Tchad. Bonsoir et bienvenue. C'est Patou et sa femme. Comme ils ont le même compte là. Bonsoir à toi ma soeur. Bonsoir frère Junior. Comment tu vas ce soir, ma bonsoir, soeur? Bonsoir, frère Junior. Bonsoir. La soeur Isienne, de l'autre côté de la Manche, où on défie le désert en construisant même les grattes, c'est bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, mes soeurs bien-aimées. La tempête des sables arrive sur vous. Donc, préparez-vous, d'accord? Tempête des sables. Écris cela et protégez-vous. La soeur Rosine Kamdem, je crois qu'elle va être... Comment, ma soeur Isienne? Frère Junior. Oui. Je sais, comme tu as parlé là, ça me revient, c'est comme si j'ai vu ça en songe. Qui parle là même? J'avais déjà vu ça en songe, je crois. Qui parle? La sœur Rizienne. J'ai seulement juste vos noms devant moi. La Arabie Saoudite. Voilà. Donc, les tempêtes de sable, et cette tempête de sable, c'est historique. Donc, préparez-vous là-bas. La sœur Rosine Kandem, je crois qu'elle va nous rejoindre dans une heure ou en moins de 45 minutes. Je ne sais pas si elle est déjà installée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir la sœur Suzanne Clodon. Bonsoir. Bon. La sœur Reine Pauline, bonsoir. Du côté de en Île-de-France, c'est ça? Bonsoir et bienvenue. Reine Pauline, si tu nous entends, je ne sais pas si c'est ta première fois ici. Ton micro est fermé, donc tu cliques juste le bouton. Après le bouton à l'extrémité gauche de ton écran. Je ne sais pas si c'est sur le téléphone que tu nous vois. Bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir à la soeur Audrey Simon. Bonsoir et bienvenue. On continue comme ça ne va pas nous laisser ici. La sœur Carole Defoe, de Douala au Cameroun, bonsoir. Personne ne me répond plus, mais c'est ma connexion qui n'est pas bonne, non? Ça n'est pas bonne. La sœur Carole nous entend là. La sœur Carole, vous m'entendez? La sœur Carole Ndifo, vous m'entendez? Bon, et quoi que si ce n'est pas bon chez moi, c'est pas bon chez elle, puisque nous sommes à Douala. Alors, la sœur Reine Pauline, bonsoir. «
Mon frère, si tu nous entends, on ne t'entend plus, mon frère. Si toi tu nous entends, on ne t'entend plus. Vous m'entendez pas du tout. Et là, vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est mieux d'écrire, je pense. Écrivez au frère. Bon, ça va. M'écrivez tout simplement lorsque vous m'aurez entendu, comme ça, je vais commencer à parler. C'est seulement la sœur merveille de l'Italie que je vois sur mon écran avec son image. Donc, la sœur merveille, si tu m'entends, tu me fais signe que tu m'entends. Eh bien, voilà, ça veut dire que les gens m'entendent. Donc, là, il y a la sœur Carole de Faudon, je parlais tout à l'heure. Le lundi dernier, elle avait soumis le cadre de sa. Je crois que le cas de sa cousine, bien, un enfant qui avait des problèmes à l'hôpital là, et on a prié. Je ne sais pas si elle nous entend. Oui, frère, je t'entends. Ouf, il a fallu qu'il dise. Bonsoir, frère. Bonsoir à toutes. Il a fallu qu'il dise. Voilà. J'arrange mon bonsoir. Oui, ma soeur, parle-nous. Comment ça va, l'enfant? L'enfant se porte à merveille. Par la grâce de Dieu. Amen. Comment je vois comment restituer, frère. Le Seigneur est en train d'opérer dans la vie de ma nièce. Va très bien. Depuis jeudi dernier. Oui. Oui, depuis jeudi dernier, sa température est baissée. Parce qu'avant ça, depuis janvier, depuis décembre particulièrement, était toujours entre 38, 5, 39 de température. Oui. Et depuis jeudi dernier, la température s'est stabilisée. Elle a 37,00. 37,00. Et est-elle encore à l'hôpital? Non, elle est sortie depuis samedi. Nous allons chanter un cantique pour notre Seigneur, n'est-ce pas? Merci, frère. On lui dise merci. Le temps pour nous de dire bonsoir à tous ceux qui sont de venir maintenant. Je crois que j'ai vu la sœur Hélène. J'ai vu tout à l'heure là. Le Seigneur répond à la prière. Croyez-le. Amen. Que le Seigneur, franchement, le nom du Seigneur soit glorifié. Mais continuez à prier, d'accord? Continuons à prier. Tout honneur, tu me fais connaître ton cœur afin de louer ta grandeur, courbé à tes pieds, je viens t'adorer. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Alors,
Si pendant que vous en écoutez cette chanson de, je crois que c'est Dans le chien ou bien c'est, oui, Dans le chien, reçoit la gloire. Souvenez-vous, vous avez des requêtes de prière. Écrivez, parce que les micros, en ouvrant tout le monde, en ouvrant les micros, vous allez ouvrir le micro. Vous allez écrire sur les requêtes de prière. La sœur Marie-France, parce que sa connexion est bonne, pourra nous lire cela et on va les soumettre au Seigneur toutes ensemble maintenant, tout à l'heure. Quel que soit le sujet de prière, vous avez le sujet de prière, vous écrivez tout simplement sujet de prière, vous écrivez et puis vous postez. Vous écrivez, vous postez, on prie. Et que le Seigneur utilise ces prières-là pour exercer sa miséricorde auprès de tous ceux dont là et celles dont nous allons soumettre la prière maintenant. Préparez-vous. Et je chanterai à jamais. Seigneur, reçois la gloire de nos cœurs, tous nos cœurs pour te soumettre et remettre tout l'honneur qui t'est dû par le nom de Jésus que c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Alors peuple de Dieu, nous nous soumettons maintenant à la sœur Marie-France. La sœur Marie-France, s'il y a des sujets de prière, tu nous soumets, on va lire, on va travailler. Deux sujets de prière, même trois. Oui, premier sujet, ma soeur. Je crois que là, la connexion, ça bug un peu. Là, ma soeur Marie-France, patiente, la connexion se stabilise un peu. Et puis, on revient. Alors la sœur Marie-France, tu m'entends? Je crois que la connexion dérange là. Patiente, la sœur Marie-France, tu m'entends? La connexion, ça se stabilise là et puis tu vas nous donner quoi le sujet? Qu'est-ce que nous enfants? Le deuxième sujet, c'est
Je crois que la connexion s'est stabilisée, n'est-ce pas? Vous m'entendez, n'est-ce pas, mes soeurs? La soeur Mévin, c'est bon là? Oui. La soeur Marie Fassandré, bonsoir. Oui, ah. Est-ce que la soeur Marie France nous entend? Oui, bonsoir. Oui, voilà. Oui, j'entends très bien, oui. Voilà, allons-y, ma soeur, allons-y. J'entends très bien. Alors, deuxième sujet de prière, c'est pour la sœur Karine du Canada pour son AVC. Non, mais le problème, le et deuxième, le premier sujet, c'est pour la sœur Noël de Yaoundé. Que le Seigneur console les... Le premier sujet de prière, c'est quoi, ma sœur? On ne t'entend pas, mon frère. Waouh. Tout est vraiment wow. Le premier sujet de prière, c'était pour la sœur Ndomé de Emilienne, c'est ça? Pardon, je n'entends pas. Oui, vas-y, ma sœur, lis juste les sujets. C'est pour la sœur Emilienne Ndomé qui est au Cameroun. Voilà. Bon, continue. J'avoue que je n'ai plus vraiment rien. C'est parce qu'il ne va pas avoir cette connexion. Les parents de l'enfant, si j'ai rappelé. Wow. Son demande qu'on paye aussi son père qui est très malade. Wow. Ça passe pas. Ouf. Je crois qu'on aura encore un petit concours de patience maintenant en attendant que cette connexion justement se stabilise. Je recommence. Le temps est à l'exaucement. On ne peut pas rater ceci. Le temps est à l'exaucement. Le temps est à l'exaucement. Nous devons prier. Nous devons intercéder les unes par rapport aux autres et en faveur des autres. Le temps est à la prière. Le temps est à l'exaucement. La grâce de Dieu est disponible. Nous devrons prier. Sœur Marie-France, tu m'entends?
Ça va. Amen. C'est terrible ça. Le temps est à la prière, le temps est à l'exaucement. Le temps est à la prière, le temps est à l'exaucement. La sœur Odile Sané, bonsoir et bienvenue. La sœur Hélène Thiébi, bonsoir. La sœur Péric José, bonsoir et bienvenue à vous. La sœur Christian Yankam, bonsoir. La sœur Hélène de Maryland aux États-Unis, bonsoir et bienvenue. Le temps est à la prière. La sœur Aziza Mougan, bonsoir et bienvenue. La sœur Siri Gladys de Canada et de La Roche, bonsoir à vous et bienvenue. Le temps est à la prière. Le temps est à l'exaucement. La sœur Monique, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous toutes. Bonsoir à vous toutes et bienvenue. La sœur Christiane Yankam, bonsoir et bienvenue. La sœur Ophélie, bonsoir et bienvenue. Alors, la sœur, je ne sais pas si la sœur Marie-France nous entend maintenant. Très bien, mon frère. Là, le son est bon? Oui, ça va. Voilà. Alors, premier sujet de prière, il est question de... Quand tu le disais, de la sœur Monique qui demandait à ce qu'on prie Andomé Emilienne, c'est ça? La somme d'Ombé et Emilienne qui est au. Voilà, c'est ça. Et le sujet concerne quoi principalement? Hypertension, diabète. Hypertension et diabète. Deuxième sujet de prière. Je crois que les sœurs sont de prendre note comme ça. Nous allons élever tous ensemble la voix et on va prier pour cela. Hypertension et diabète. Afin que Dieu leur accorde la guérison. Oui. Hypertension, premier sujet, Ndomé et Emilienne. Deuxième sujet de prière, ma soeur. Amen. Le diable. Émilie. Deuxième, sœur Karine de Montréal, AVC. AVC. Oui. Troisième sujet de prière. C'est terrible avec la connexion d'aujourd'hui.
Oui, sœur Karine de Montréal, AEC. Oui. Autre sujet de prière, troisième. Bon. Ensuite. Les fumières. Il n'y a plus personne de connecté par ici. Personne ne m'entend plus. J'en suis demeuré au deuxième sujet de prière de Karine Montréal avec l'AVC, le problème de l'AVC. Alors, messieurs, si vous m'entendez et que vous avez la bonne connexion, commencez déjà à prier. Par rapport à ces différents sujets de prière que vous avez. Prions ensemble et que le Seigneur vous bénisse. Le temps que ma connexion se stabilise. J'ai une patiente là, avec ça également, et puis j'ai prié. Amen. Tendre Père, tous ces sujets de prière, toutes ces maladies, la Bible déclare que tu as pris nos maladies, notre infirmité à la croix. Nous soumettons au Dieu de gloire toutes ces maladies et toutes ces infirmités entre tes mains. C'est toi qui les as pris à la croix sur ton corps. Et tu as renversé ce mur de l'inimitié. Tu as brisé la tête du serpent à la croix. Père de gloire, quelles que soient les aiguilles.
quelles que soient les aiguilles que l'ennemi a utilisées et a injectées dans le cœur et le corps physique des bien-aimés, que ce soit les moments, les différents sujets de prière que soumettent en ce moment les bien-aimés sœurs dans ce groupe, nous prions au Dieu de gloire que tu sois favorable pour celles qui ont besoin de guérison au Dieu, de leur accorder la guérison. Pour celles qui ont besoin au Dieu de gloire de marcher, de leur accorder au Dieu de gloire la restauration de leurs membres. Père, tu as dit qu'en ce moment de la grâce, tu nous exauceras. Nous prions au Dieu de gloire pour cette maman avec des blessures telles que a écrit notre sœur. Nous prions au Dieu de gloire pour cette personne, au Dieu de gloire, ayant été testée séropositive, qui subit des persécutions. Nous prions au Dieu de gloire que tu aies un regard favorable et que tu restaures son système sanguin totalement et que l'ennemi soit bien confondu et confus. Père de gloire, nous prions pour cette personne qui a l'AVC, pour cette autre personne, au Dieu de gloire, qui est malade et dont le cœur est touché, dont le sang est touché. Seigneur, tu connais toute personne qui est sous l'influence maintenant de cet enseignement. Père de gloire, je prie Dieu afin que tu touches chaque membre de leur famille. Père, toute personne qui écoute cette voix maintenant, alors que tu as décidé, Père de gloire, que nous prions en ce moment, je prie au Dieu de gloire que tu touches le corps malade de quelqu'un. Que tu touches le corps malade de quelqu'un, que tu restaures de la plante des pieds jusqu'à la tête. Je te laisse soumettre entre tes mains, Père, toute personne qui entendra cette voix sous ton influence, à qui tu ouvriras au Dieu de gloire, cette porte du bonheur, de la restauration du corps malade et du cœur malade. Je prie Dieu de gloire pour le sang. Je prie Dieu de gloire pour les ventres, les bas-ventres, les ventres qui n'enfantaient pas de gloire. Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Puisses-tu ouvrir le ventre de quelqu'un maintenant afin que la fécondité puisse s'y demeurer. Père de gloire, toutes les portes que l'ennemi avait fermées, je prie au Dieu de gloire qu'en entendant cette voix, qu'elle puisse s'ouvrir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je commande à tout esprit, à toute puissance des ténèbres qui s'est tenait entre toi et ces hommes pour qui nous avons commencé à prier maintenant. Je prie, ô Dieu de gloire, par ton autorité, que ces esprits quittent maintenant et fassent place à la lumière qui fasse son entrée. Père, je prie pour cet autre homme qui m'écoute. Je prie pour cette femme qui m'écoute, qui était angoissée. Je prie, ô Dieu de gloire, pour cet autre qui avait l'esprit de suicide. Je prie, Dieu de gloire, que tu la délivres maintenant, que ta puissance maintenant tombe sur elle alors qu'elle écoute cette voix. Je prie au Dieu de gloire pour la restauration de cette autre personne qui avait constamment des douleurs de bas-ventre. Je prie au Dieu de gloire pour cette femme qui expérimentait cette douleur-là constamment et continuellement. Je prie que tu l'en délivres maintenant. Ô Père, tu as dit à cette femme depuis 18 ans, malade, tu as dit, femme, tu es délivrée de tes infirmités, de ton infirmité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui m'écoutes actuellement, je commande au nom de Jésus que tu te lèves et tu te tiens et fais ce que tu ne pouvais pas faire maintenant, par la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ te commande de te lever, car tu es délivré de tes infirmités, dit le Seigneur. Le Seigneur déclare que tu es délivré de tes infirmités, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour les chambres que tu visites par cette voie. Merci pour les cœurs que tu visites par cette voie. Merci pour les verrous. Merci pour le blocage qui tombe par cette voie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui restaure. Seigneur, restaure les sangs. Restaure les sangs. Restaure les reins. Restaure les cœurs. Restaure les sèves. Je prie principalement, Père de gloire, pour ces personnes qui m'écoutent maintenant et qui oubliaient. Seigneur, quand elles ont les rêves, elles se lèvent, elles ont oublié. Je prie, Père, que tu restaures les cerveaux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur Dieu de gloire, pour cette autre personne qui entrait en colère pour une petite chose, une petite irritation entre en colère. Je prie, Dieu de gloire, que tu ôtes cet esprit de colère de la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, je prie, Père, pour tous celles et ceux donc qui expérimentaient, au Dieu de gloire, la convoitise des yeux, cette puissance démoniaque qui les pousse toujours au Dieu de gloire à regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Et dont les pensées sont perverties à chaque fois.
Et ces personnes savent effectivement que ce n'est pas d'elles-mêmes qu'elles le font. Je prie que tu les délivres par cette voie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous toutes qui avez des expériences dans la nuit qui n'est pas des dieux, les expériences démoniaques, des cauchemars, des persécutions dans vos sommeils, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis silence à ces esprits qui vous persécutaient. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je commande à toute puissance qui marchait contre vous et contre votre vie alors que vous dormiez, de cesser les exactions maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous entoure de sa haie de protection comme il a entouré de la haie de protection Israël. Le Seigneur dit que tu as du prix à ses yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu restaures, tu guéris, tu restaures. Père de gloire pour ceux et celles principalement qui avaient des maris non croyants. Nous soumettons leur cœur entre tes mains. Père de gloire partout où les ténèbres utilisaient, oh Dieu, ces maris pour pouvoir créer des problèmes dans la vie de tes filles. Je prie Dieu de gloire, c'est toi qui tiens entre tes mains le cœur de tous les fils de l'homme. C'est toi qui les as fait. Père, tu peux restaurer ces cœurs. Restaure ces cœurs, Père de gloire, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La femme dans la sainteté, bonsoir, vous êtes là, n'est-ce pas, mes soeurs bien-aimées? Y a-t-il encore des sujets de prière par ici? La sœur Marie-France. C'est Marie-France, m'écoute. C'est Marie-France, m'écoute. Oui, pour papa Jédio, qui souffre de la sourdité. Thank you.
Prière. Je passe là. Je suis là.